Bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que vous portez bien et que les rentrées se sont magnifiquement bien passées. Je tiens à vous remercier, toutes les personnes abonnées ou pas abonnées, de votre passage sur ma chaîne durant ces derniers mois. Merci, merci, merci. Donc là, vous avez un échantillon des jeux que je vais utiliser pour cette lecture du mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes afin de faire un complément de message. Bien sûr, ceci est une lecture générale, cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à accueillir avec discernement tous les messages donnés. Si vous avez besoin d'une prestation, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous durant ce mois d'octobre 2024 et nous allons voir comment ça va se passer pour vous. Allez, go mes amis lions, c'est à votre tour pour cette lecture du mois d'octobre. Ah ben, voilà, ça a sauté de suite. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton nous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Donc là, oui, vous avez des projets qui se mettent en place. Allez, on continue avec l'oracle histoire de sorcière pour les lions octobre 2024. Qu'avons-nous pour les lions, s'il vous plaît? Allez. Alors, médite pour clarifier. Ouais, donc, peut-être qu'il faut, comme on a ce 3 de bâton. Donc, vous avez, voilà, les choses semblent très bien aller, mais peut-être il vous faut peut-être méditer pour clarifier certains sujets. D'accord? On va aller voir avec l'oracle de Béline pour vous, mes amis lions. Allez, pour les lions, octobre 2024, s'il vous plaît. Ah ben, voilà. On a la table. Donc, avec la table, ça nous dit que peut-être qu'il va y avoir des festivités, des célébrations, bien sûr, hein, des échanges, des partages aussi, mais on peut me dire aussi qu'il va peut-être y avoir une réunion si c'est professionnel. Vous allez peut-être, et on a le 3 encore, hein, le 3 qui relie quand même le corps, âme, esprit, hein, c'est vraiment, vous êtes sur un nouveau cycle avec le 30. Pour moi, c'est voilà, vous démarrez une nouvelle page. Voilà, la page elle est blanche pour vous. C'est un nouveau cycle qui commence, mes amis Lion. Donc, oui, il va y avoir des célébrations, des invitations peut-être, une vie sociale très très bien épanouie, hein. Beaucoup d'échanges comme je vous ai dit, beaucoup de partage. Mais il vous faut quand même méditer. Donc, n'hésitez pas à méditer pour vraiment que tout soit clair, net, précis. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Ce qui nous dit. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, octobre 2024. Lion, octobre 2024. La loi d'attraction. La loi d'attraction. Oui, ben en méditant, faites un peu, voilà, faites des demandes, hein, faites des lois d'attraction. Hein. On a le 10, hein, comme je vous dis, hein, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, pour moi, vous pratiquez quand même. Hein, vous pratiquez déjà. Hein. Donc, continuez. Continuez parce que peut-être que vous êtes étonné quand vous obtenez les choses que vous avez manifestées. Mais c'est la loi d'attraction, quoi. Allez, quel message ont les anges pour vous, mes amis lions? Quel message ont les anges pour vous? Munis-toi de cristaux.
Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, munissez-vous de cristaux. Il y en a plein. Quartz rose, hein, pour l'amour, l'abondance. La labradorite, le cristal de roche. Munissez-vous d'un cristal qui vous appelle, d'accord? Et vous verrez tout ce qui peut vous apporter en plus. Allez, on va aller voir le professionnel pour vous, mes amis. Allez, pour les lions, octobre. Je n'ai pas posé attention. Lion, octobre 2024, s'il vous plaît. Octobre 2024 pour les lions. Donc, les lions, vous êtes à un carrefour de votre vie en ce mois d'octobre. Et vous attirez en plus, vous voyez, les lois d'attraction, vous allez attirer tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, quoi, c'est clair. Regardez, on a la chance, en plus, on a la chance, l'univers est avec vous. Ouais. Il y a l'univers, mais aussi, il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est pour ça que, avec la table, vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir échanger. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui, ben, vous êtes magnétique. Donc, pour moi, ça coule de source, quoi. Vous allez vraiment attirer les bonnes personnes autour de vous, mes amis Lyon. Et avec le soleil, bon, bah, c'est de l'abondance assurée. Hein. Le soleil dans une carte, c'est la réussite. Hein. OK? On va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le carrefour pour les lions, s'il vous plaît? Professionnel. C'est pas franc. Alors, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre destinée, ça c'est clair. Mais bon, peut-être que vous êtes plusieurs. Alors, si c'est un nouveau poste, hein, vous êtes peut-être plusieurs sur ce poste. Vous êtes peut-être plusieurs sur ce poste, ce qui fait que bah, ça crée quelques tensions. D'accord? Donc, faites attention à vous. Sur le miroir magnétique. Sur le miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les lions? Ouais. Vous restez debout, hein? Évidemment, vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Donc, même si les jaloux voilà, s'écroulent autour de vous. Vous restez debout, donc oui, vous allez. C'est pas pour moi, c'est pas un échec. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est que vous faites de belles lois d'attraction. Hein. Vous faites tout pour réussir, mon ami Lion. D'accord? Allez, sur la chance et l'amitié. Alors c'est celle-ci. Bon, écoutez, vous êtes guidé, vous êtes aidé par l'univers, vous êtes soutenu, vous avez tout en vous pour ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. D'accord? Que ça soit un poste, que ça soit une collaboration, que ce soit une. Partir à l'étranger, je ne sais pas. Je vous dis ce qui me vient. Je vous envoie voilà plusieurs messages, mais vous seul savez, bien évidemment. Mais on peut me dire que quand même vous êtes bien guidé, bien aidé par l'au-delà. Donc continuez vos lois d'attraction, continuez de voilà méditer pour vraiment clarifier cette situation. D'accord? On me parle bien de la polarité masculine qui a un projet en gestation. Et que ça va réussir. Vous allez effectivement réussir votre projet. Hein. OK? Ça va vraiment marquer votre équilibre. On me parle bien dans le professionnel. Allez, on va compléter avec la triade. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour
pour les lions, octobre 2024, s'il vous plaît. Lion, octobre 2024. Octobre 2024 pour les lions. Alors, bon, il y a un choix à faire. Vous avez un choix. Vous êtes à un carrefour, hein? Donc le choix coule de source. D'accord? Et vous êtes, voilà, vous commencez un nouveau cycle. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous débutez un nouveau cycle. Hein, donc, avec l'alpha, vous êtes au début d'une élévation, d'une très, très belle élévation. C'est magnifique. Hein. Ouais, et vous avez la bénédiction de l'univers. Donc, ouais, tout n'est pas qu'illusion dans la vie. Hein. Ce que vous voulez vraiment, vous pouvez l'obtenir, d'accord? Il suffit juste de faire les bonnes communications. Avec les vases communicants, bah écoutez, il suffit de faire passer les messages. Ouais, c'est beau, hein? Magnifique. Bravo, mes amis lions. Je pense que vous avez bien bossé tous ces mois. Et que là, bah, on arrive quand même à quelques mois de la fin de l'année. Et que vous allez pouvoir bah, concrétiser ce que vous demandez. Voilà. Allez, on continue. Matériel et financier. Avec l'oracle G, pour vous, les lions, octobre 2024, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Impeccable. Allez, pour les lions, octobre 2024, qu'avons-nous? On a déjà la polarité féminine. Bon, on a les deux. Et bien, vous êtes en pleine transformation. Hein. Donc, vous pouvez être en présence d'une... Là, on me parle d'une femme brune. Donc, ou d'une personne de votre famille. On me parle bien de la polarité féminine. Donc, si vous êtes une femme lion, ça, c'est, bon, ça vous concerne. D'accord? Sinon, c'est une personne que pour qui vous regardez. Je pense que cette dame, cette personne brune, va vous aider à vraiment à vous métamorphoser. Hein. Même que vous êtes quand même pas mal transformé depuis toute l'année. Je pense que ça va bien vous aider. Voyez comment que ça vous parle. On va recouvrir quand même, donc, sur la personne, la dame en bleu, la membre de votre famille ou une dame brune, voilà. Ben, on me dit bien qu'elle est là pour vous protéger. Hein. Elle est vraiment là pour vous protéger. La polarité féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette polarité féminine qui est concernée ouvertement par ce tirage. Je pense que la transformation, elle se fait depuis cet été, quoi. Mais durant cet été, vous avez vraiment, vous vous êtes métamorphosé, je pense, mes amis lions. Hein. Vous avez vraiment été juste, voilà, vous avez travaillé suffisamment pour vraiment récolter ce que vous avez semé. Hein. Et sur le papillon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah, on nous dit bien que vous rayonnez, quoi. Vous rayonnez et financièrement. Donc, pour moi, le message, il est clair, là. Hein, c'est que, voilà, cette personne, ça peut être un membre de votre famille, comme je vous ai dit, hein, mais... elle vous a vraiment soutenu durant toute la période estivale. Vous aviez là vraiment une protection divine avec cette personne parce que ben, ça vous a permis de vous transformer, d'avoir la force d'avancer. Mais vous avez là, vous êtes en train, vous allez récolter ce mois d'octobre, vous allez récolter
tout ce que vous avez semé et en plus vous allez mettre de côté. Voilà. C'est bien et on me parle bien sur le professionnel. C'est vraiment un cadeau divin. Ouais, ça a été long, hein. Peut-être que voilà, vous avez été freiné. Peut-être vous, la polarité masculine, hein. Peu importe que vous soyez un homme, une femme. Mais vous avez peut-être été ralenti, mais là, on me dit bien que quand même, vous allez décoller, quoi. Vous sortez d'une mer d'huile, hein, pour vraiment décoller vers quelque chose de plus radieux, quoi. Donc voilà, financièrement, matériel et financier, mes amis Lyon, vous êtes au bon endroit. Voilà. Nous allons continuer avec le sentimental, mes amis. Allez, côté sentimental pour les lions, s'il vous plaît, en ce mois d'octobre 2024. Sentimental lion. Allez, sentimental lion. Alors, on m'a dit de prendre comme ça. Une nouvelle rencontre proche. Âme sœur spirituelle. Et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, là, si c'est pas concluant, je sais pas, hein. Bon. Si c'est pas, voilà, si là, si on vous dit pas que vous allez rencontrer votre âme sœur ou que, voilà, vous êtes déjà peut-être en présence de votre âme sœur, pour certains, voilà, vous prenez conscience que c'est votre âme sœur. Pour d'autres, eh ben, il y a une nouvelle rencontre proche. Voyez comment que ça vous parle, mais bon. Les cartes, elles sortent comme elles sortent, hein. Donc oui, alors pour certains, donc il va y avoir une nouvelle rencontre proche, évidemment. C'est une âme sœur spirituelle, donc une vieille âme, peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, connue dans une vie antérieure, et vous êtes là tous les deux, vous vous retrouvez là sur ce plan terrestre pour terminer votre aventure, quoi. Suite à cette nouvelle rencontre, bah, vous prenez vraiment conscience, et ça va être durant cet hiver, que vous allez prendre vraiment conscience que c'est ton âme sœur qui est en face de toi. D'accord, mon ami Lion? C'est vraiment, voilà, voilà, je tutoie, je vous vois, mais quand je tutoie, c'est vraiment que les messages me viennent comme ça. OK? Ouais, vous allez vous apporter énormément, hein, tous les deux. Vous allez vraiment vous apporter énormément niveau côté spirituel, hein. Ouais, ça va être vraiment quelque chose de très très fort quand vous allez vraiment vous retrouver. Parce que pour moi, c'est clair que les personnes à qui ça va parler, évidemment, mais c'est vraiment vous allez vraiment vous retrouver. Et quand vous allez vous voir, vous allez savoir que vous connaissez déjà. Allez, on va aller voir avec le Médéor sur la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre proche. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la nouvelle rencontre proche? Alors, je pourrais avoir un message pour la nouvelle rencontre proche, s'il vous plaît. Alors, peut-être que c'est au niveau du travail. Peut-être que c'est une personne qui, voilà, qui vient travailler avec vous. Voilà, qui un collègue, une collègue, peu importe. C'est peut-être aussi vous faites peut-être un travail d'intériorité, d'introspection, vous travaillez peut-être sur vous pour pouvoir justement accueillir des nouvelles personnes. Mon ami Lyon, parce que bon, tu fais des lois d'attraction, tu médites. Tu fais peut-être un travail sur toi, un développement personnel. Voilà. Tu fais peut-être un travail sur toi qui va t'aider à vraiment à rencontrer cette nouvelle personne. Après, tu peux rencontrer cette personne, même si ce n'est pas au niveau du travail, tu peux, voilà, lors d'une sortie entre collègues, et voilà, tu rencontres la nouvelle personne, tu vois. Donc, vois comment que ça te parle. Allez, l'âme sœur spirituelle. Eh ben, elle va vraiment t'aider à te libérer d'un blocage. Et la prise de conscience de ton âme sœur, alors. Eh bien, c'est dans l'année en cours. Hein, donc, voilà. Donc, on me dit cet hiver, c'est au mois de décembre. Eh bien, c'est dans l'année en cours que tu vas prendre conscience que tu es en face de ton âme sœur. Et ouais.
Donc c'est super, hein. C'est magnifique, hein. Les messages, c'est fluide. J'adore quand les messages sont fluides comme ça. Merci l'univers, hein. Merci mes guides, mon équipe céleste. Allez, pour les lions, octobre 2024, donc avec le grand oracle de l'amour, sur la nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche pour les lions, octobre 2024, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Oui, je pense que pour certains, vous faites un travail de, voilà, de développement personnel, de prise de confiance en vous, quelque chose de très important, parce que, voyez, vous vous sentiez oublié, hein. Vous vous sentiez délaissé, je pense que vous étiez, vous avez vécu un célibat assez important. Ton âme sœur spirituelle. Ton âme sœur spirituelle, hop, bah, tu vas pouvoir faire des projets, hein, des nouveaux projets qui sont se mettent en place. Donc c'est sympa. Voilà, et la prise de conscience de ton âme sœur, ouais, bah, ça va être un vrai gain de vitalité, quoi. Tu vas vraiment rayonner, tu vas vraiment, ouais, il va y avoir, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir du soleil dans ta vie, quoi. Tu vas reprendre de la vitalité. Ton sol était peut-être sec, aride, craquelant. Tu reprends de la vitalité au milieu d'un sol craquelé. C'est magnifique. Et ouais, il va y avoir beaucoup de communication, hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, hein. Bon, tu as peut-être été trahi, mais là, tu vas vraiment connaître quelque chose où tu vas pouvoir communiquer librement. On va aller voir avec l'améthyste love pour mes amis lions. Allez, pour les lions, octobre 2024. Allez, sur la nouvelle rencontre proche, s'il vous plaît, quel message? Ah oui, la nouvelle rencontre proche, oui, c'est une nouvelle rencontre, hein. Elle est vraiment très très proche, hein. Mes amis, hein. Sur l'âme sœur spirituelle, je peux pas vous dire mieux là, hein. Ça confirme vraiment tous les dires, hein. Nouvelle âme sœur spirituelle, s'il vous plaît. Bon, on me parle d'un homme, mais bon, si vous êtes une femme, peu importe, hein. Alors, vous avez patienté. Je pense que vous avez été patient. Donc, si vous êtes une polarité masculine qui me regardait, on me dit bien que vous avez su patienter afin de recevoir les messages que vous aviez envoyés. D'accord? Et c'est un échange de communication, là. Hein, donc, c'est bien ce que je disais. Quand vous allez voir cette âme sœur spirituelle, cette âme sœur venir à vous, vous allez vraiment... savoir que c'est elle parce que vous l'avez peut-être visualisé, vous l'avez et on va vous envoyer le message comme quoi c'est bien cette personne qui est en, voilà qui arrive. Okay. Elle va vous permettre de guérir, hein. Ouais, c'est, regardez, l'univers vous apporte, vous donne tout, hein. L'univers vous donne tout là. Allez, sur la prise de conscience de ton âme sœur. De conscience de ton âme sœur, s'il vous plaît, quel message sur la prise de conscience? Ouais, c'est vraiment, c'est une atmosphère chaleureuse et détendue, quoi. Ça va vraiment, il n'y a même pas de secret à avoir. Oui, peut-être que vous la mainteniez discrète, cette relation. Peut-être si vous rencontrez votre âme sœur au mois d'octobre, par exemple, hein, que vous la mainteniez secrète jusqu'en décembre. Mais là, cet hiver, vous allez vraiment la montrer au plein jour. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qui fusionne. Hein. Vous êtes vraiment fusionnels l'un et l'autre. Hein. D'accord? Donc pour moi, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas la garder secrète, discrète pendant des années, hein. Allez,
On va aller voir quel ange vous accompagne, mes amis. Lion. Je pourrais avoir l'ange. Quel ange accompagne les lions? Ben, c'est Isaiah. Isaiah, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans ta vie. Je vous surveille, je vous guide et vous protège. Bon, donc, vous êtes vraiment protégé par Isaiah. Donc, c'est très bien, mes amis, parce que là, vous êtes protégé par Isaiah, donc, qui veut, voilà, qui vous apporte le changement dans votre vie. Donc, évidemment, une nouvelle rencontre, hein, ça peut pas... Voilà, c'est quand même... C'est quand même bienvenu, d'accord? Et en plus, vous avez donc, si vous vous munissez de cristaux, donc vous allez recevoir l'aide de vos anges. Vos lois d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, continuez de faire des lois d'attraction. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de festivités. La vie sociale que vous attendez peut-être depuis longtemps, mais elle arrive. Vous êtes vraiment sur un nouveau chapitre de votre vie. Méditez quand même pour clarifier vos demandes, d'accord? Et vous avez avec le 3 de bâton, l'abondance, les choses qui semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Vous voyez, on avait la carte de la patience, hein? Donc c'était bien relié. Et élaborer des projets à long terme. Donc, n'hésitez pas d'élaborer des projets à long terme. Voilà, mon ami Lion, ce que j'avais pour vous. Donc, très bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.